Bonjour et bienvenue dans l'actu de mon restaurant. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais vous montrer comment réaliser des belles œufs mollets comme ça, bien coulants, bien gourmands. Allez, on y va? Pour le réaliser, bien entendu, il va nous falloir des œufs, un timer réglé sur 5 minutes 30, une araignée, de l'eau avec des glaçons et une eau, voyez, juste frémissante, pas à grosse ébullition, sinon ça risque d'abîmer nos œufs. Quand tout est prêt, l'eau en ébullition, l'eau avec les glaçons, notre timer prêt à partir, on y va délicatement, on plonge nos œufs au fond de l'eau, on lance le timer, et en attendant que ça cuit, le pouce bleu qui motive le chef, et dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse cet œuf mollet frit dans une petite coque croustillante panée. Allez voilà, dès que la cuisson sonne, par contre, on la met dans de l'eau bien froide. Qu'elle les éplucher par contre, encore un petit peu tiède, il ne faut pas qu'il soit vraiment froid, sinon la coquille va recoller, ça va être compliqué à les écaler. Maintenant, délicatement avec un œuf, on vient tapoter l'autre, on casse bien toute la surface de la coquille, comme ça, qu'il n'y ait pas un gros bout qui reste accroché, ça pourrait nous casser l'œuf, faire venir le blanc d'œuf avec. Et là, on aperçoit une toute petite peau qu'on va venir chercher, tac, et une fois qu'on l'a attrapé, on peut mettre un petit peu d'eau comme ça, le mettre dans l'eau, et passer entre la peau et l'œuf délicatement. Vous voyez, il faut aller tout délicatement parce que l'œuf il est moelleux. Et moi j'aime bien le garder dans l'eau pour garder bien l'humidité, le pouce bien humide, au moins ça glisse bien entre les deux. Et là voilà. Allez, maintenant, verdict. Oh là là là, merveilleux, excellent. Regardez ça, juste un petit peu de fleur de sel. Mais voilà, il est parfait. 5 minutes 30 de cuisson, on a l'œuf qui est extrêmement coulant à l'intérieur. Un vrai petit régal. Et quand on mange un œuf bien coulant comme ça, qui soit mollet, poché à la coque, on n'hésite pas de prendre un œuf bio ou un œuf de poule qui a été élevé en plein air, qui est bien gambadé sous un beau rayon de soleil pour avoir un jaune merveilleux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager, la commenter, vous abonner en cliquant sur la petite tête qui est juste là. Alors regardez d'autres vidéos, on va vous dire à la semaine prochaine et à table Juju.